Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine, on a commencé à recouvrir la structure en béton de la partie cuisine et salle de bain avec un enduit thermocorrecteur. C'est donc un mélange différent de celui utilisé la semaine dernière pour isoler les poteaux contre les murs en pierre. On avait alors un béton de chaux hydraulique et chanvre que l'on a banché. Pour le reste de la structure, on a choisi de changer de mélange afin d'avoir plus d'adhérence. On a trouvé la recette de cet enduit chaux chanvre sur le site alliance4.fr. C'est un enduit à base de chaux aérienne, de chanvre et de sable de ponce. Pour une bétonnière, on utilisera donc les matériaux dans les proportions suivantes. Un sac de chaux aérienne CL90S, donc environ 45 litres, 50 litres de chenvotte décompactée, 12 litres de sable de ponce 0,3, entre 40 et 50 litres d'eau, 1 baffe de chien est facultative. On commencera par introduire presque toute l'eau. Puis la chaux afin d'obtenir une pâte homogène. Puis on incorpore le sable de ponce et le chanvre petit à petit. Si le mélange semble liquide, c'est normal. Le chanvre va absorber énormément d'eau et je vais même devoir en rajouter par la suite. Voilà ce que j'ai obtenu avec 4 bétonnières. Le mélange est stocké dans des seaux en plastique que l'on va couvrir afin de pouvoir les faire maturer quelques jours. La chaux aérienne, comme son nom l'indique, fait sa prise à l'air. Elle peut donc se conserver sous un peu d'eau pendant très longtemps. Il est d'ailleurs conseillé de la faire reposer plusieurs jours afin de bonifier le mélange. Étant donné que la zone où on doit appliquer le mélange est dans un renfoncement sur une hauteur de 25 cm seulement, j'applique l'enduit en le projetant à la truelle. Ça colle tout seul. Ensuite, avec le dos de la truelle ou la taloche, je viens aplanir l'enduit mais sans le lisser, puisqu'on veut qu'il reste une accroche mécanique pour l'enduit de finition. Ce jour-là, on reçoit ce colis de la part de VEVOR. Dans ce carton, il y a une échelle de 3,80 m. Ça va bien nous aider pour les travaux à venir et c'est super pratique à transporter une fois plié. Vous trouverez un code pour obtenir 5% de réduction sur tout le site VEVOR en description. Alors un grand merci à eux. Allez, on continue. Alors aujourd'hui je suis en train d'essayer de finir de couvrir la structure en béton avec le mélange chaud hydraté, sable de ponce et chanvre. Donc il y a à peu près une épaisseur de 5 cm à couvrir. J'ai déjà fait les jours précédents donc, les poutres au-dessus des fenêtres et j'ai un petit peu avancé sur le triangle aussi là. Plus au-dessus de la caméra à cet endroit là et bon c'est quand même c'est pas mal, ça colle super bien, c'est agréable à travailler même si ça éclabousse un peu dans tous les sens. Je sais pas si on arrive à le voir à la caméra, pas trop, mais en fait le mélange il est un peu jauni une fois qu'il a été posé, il est un petit peu jauni. Donc je sais pas du tout à quoi c'est dû. Si quelqu'un a la réponse, si quelqu'un sait pourquoi ça fait ça, donc dites-le nous dans les commentaires. Pour finir, j'ai fait un test d'enduit avec le même mélange sur un mur en pierre. Dans un premier temps, en commençant par remplir les cavités entre les pierres en projetant l'enduit. Puis en l'appliquant à la taloche. C'est quand même beaucoup plus rapide. On essaiera de faire des tests de finition dans les prochains jours. En attendant, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt.